Bonsoir à tous, on est jeudi 19 novembre, il est 22h et il fait 9 degrés. Donc aujourd'hui, on a commencé la journée, le jeudi, ça commence avec 2 heures de maths, suivi de 2 heures de... Ah non, on a commencé avec 2 heures de physique, suivi de 2 heures de maths, puis 2 heures de français et 2 heures de physique pour finir. Donc ce matin en physique, on a fini le chapitre 9 qu'on avait commencé mardi. Propagation du signal, et on a commencé le chapitre 10 qui s'appelle phénomène ondulatoire. D'ailleurs, en physique en ce moment, on tourne un peu à un chapitre par jour, j'ai l'impression, parce que le chapitre précédent, oscillateur harmonique, on l'a fait en une journée, celui-là, le chapitre 9, on l'a fait en une journée, en 2 heures plus 1 heure ce matin. Bref, mais vraiment, on va à une vitesse. On enchaîne les chapitres. Donc, on va être demandé sur le chapitre 10, phénomène ondulatoire. Voilà. Et c'est après. Et du coup, l'après-midi, on a continué le chapitre des phénomènes ondulatoires. Un chapitre que je trouve quand même assez abstrait. C'est compliqué, je trouve. Et dans l'après-midi, le prof nous a refait un retour sur l'oscillateur harmonique. Il a fait la mise en équation de comment ça s'appelle, du pendule simple, parce qu'on n'avait pas fait, et du coup il a fait ça. Bref, ensuite, du coup, donc ça c'était pour les 4 heures de physique d'aujourd'hui. En maths, ce matin, on a fini sur les équations du premier ordre, avec les équations non normalisées. Après, on a fait les équations différentielles linéaires du second ordre à coefficient constant, parce qu'on se limite au cas constant, parce que ça devient vite bien plus compliqué. Et du coup, on a commencé par la résolution de l'équation homogène. Parce qu'on a deux équa enfin, on a deux équations. On a une équation homogène et une solution particulière. On additionne le tout pour avoir la solution générale. Bref, là, du coup, on a commencé par résoudre l'équation homogène. Et en fait, il y a plusieurs cas. Le cas complexe, et dans les cas complexes, il y a deux cas à traiter, quand delta est différent de 0 et quand delta est égal à 0. Et dans le cas réel, il y a trois cas à traiter, quand delta supérieur à 0, quand delta égal à 0 et quand delta inférieur à 0. Bref, mais c'était très très long, avec des démonstrations. Très longue et à la fois complexe. Donc, faut que je revoie ça parce que c'est compliqué, je trouve. Vraiment, le second ordre, ça se complique rapidement. Et en fin de compte, en physique, quand on a introduit le second ordre, ça avait l'air très très simple, hein, parce que la résolution de... Comment ça s'appelle? D'ailleurs, le prof de maths l'a introduit dans notre cours. Et comme d'hab, il fait toujours des allusions à la physique. La résolution de l'équation différentielle de l'oscillateur harmonique, c'est A cos WX, cos oméga X plus B sin oméga X. Et du coup, il y a aussi l'autre forme, c'est UM cos oméga X. Déjà, c'est pas des X, c'est des T parce qu'on est en physique. Et c'est un oméga T plus phi, je crois. Bref, donc ça c'était pour les maths, et du coup, comme d'habitude, on a mangé à 11 h. Et après, on a eu français, du coup, on a eu 1 heure de maths, déjeuner, 1 heure de français, 2 heures de maths, 2 heures de physique. Ça fait 5 heures l'après-midi, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, on n'a pas le choix. Du coup, français, on a fait la méthode de dissertation. Il devait nous donner un sujet de DM qu'on n'a toujours pas. Il a dit qu'il allait nous l'envoyer par mail, mais il a oublié, je crois. Donc bon, voilà, c'est une disserte à rendre la semaine des vacances de Noël. Voilà pour cette journée. Moi ensuite, le soir, j'avais un conseil d'administration extraordinaire qui n'était pas prévu, mais qui était organisé exceptionnellement. Du coup, on a discuté du plan de continuité pédagogique et du mesure sanitaire, tout ça, ce qui a été fait à Janson. Et donc, j'ai un peu qu'au lycée. Ce qui se passe, c'est que les lycéens, du coup, ils sont en 60%
À Janson, on est sur du 60% présentiel et le reste en distanciel. Voilà, le lycée a décidé de pas. Enfin, le minimum était de 50% d'après les recommandations. Et nous, on s'est mis sur du 60%, histoire d'avoir un maximum possible de présentiel, en sachant qu'il y a plus de 400 groupes d'élèves différents. C'est-à-dire que dans les classes, on a des petits groupes. Et quand il y a des heures de groupe, ben, c'est assez compliqué de les diviser. Entre présentiel et distanciel, les heures de TD, TP, etc. etc. Voilà, donc le protocole a été validé par le rectorat. Il est mis en œuvre depuis une semaine et il devait être validé au conseil d'administration, donc il a été validé aujourd'hui. Voilà, sans souci. Aussi, en fait, il n'y a pas de nouveauté au niveau du protocole. La cantine, ça marche plutôt bien. Il y a des jours où ça marche moins bien. Ça, je l'ai signalé. Ils m'ont dit qu'ils vont essayer de voir si les profs peuvent nous lâcher en décalé, c'est-à-dire que une classe va à 11h, une autre à 11h10, une autre à 11h20. Mais en fait, c'est assez compliqué encore d'organiser ça. Déjà que maintenant, on a réussi à mettre des heures 11h, midi, 13h. Après, le découpage de la tranche horaire de 11h à midi, ça va être encore plus compliqué à organiser. Mais bon, apparemment, ils ont essayé d'enlever un peu plus de 600 élèves de l'heure du midi. Ils l'ont remonté à 11h. Et pour ça, c'est surtout les CPGE du coup qui mangent plus tôt. Voilà, pour ce qui était de ce qui était faire Janson aussi, le centre de circulation dans les couloirs, dans les escaliers, ça je l'avais déjà dit. Bref, mais c'est très acceptable parce que la cantine maintenant il y a une distanciation sociale qui est respectée. Le reste du temps, on a les masques. Donc, à mon avis, il n'y a pas de souci. Du coup, voilà. Et moi, ce soir, j'ai fait mes révisions, continué mes révisions de physique pour le DS. DS d'optique, je sais pas quoi m'attendre en fait. Vraiment, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je crains un peu, mais bon, on verra bien comment ça se passe. Ah oui, il y aura aussi de l'oscillateur harmonique, il faut que je révise ça d'ailleurs. Parce que j'ai pas trop révisé ça ce week-end. Donc voilà, il faut que je m'y mette. Et en plus, je pense que ce sera pas bien compliqué en fait. Quoique, ce sera peut-être compliqué. Mais ce serait un truc auquel on peut s'attendre parce que faut juste changer les conditions initiales de l'oscillateur harmonique. Alors, faut imaginer toutes les conditions initiales possibles. Ethernet est là pour ça. Donc, je vais regarder tout ce qui est possible et comprendre un peu comment ça fonctionne. Pour un peu anticiper. Voilà. Bref, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Bonne soirée à tous et à demain.